aussi très réconfortant pour nous parce qu'il y a de l'animation, mais il y a de l'érudition, mais il y a aussi un public qui vient et qui auto-alimente ce partage. Voilà. Donc c'est une logique de partage. Le savoir est un partage. Et c'est comme ça que nous voyons au travers de nos actions du quotidien. Voilà. Merci de votre présence. Merci de l'ensemble du travail. Et puis, bonne journée. Quoi. De jouer les tours, en partie issu du quartier de la Rabière, qu'on connaît très mal, dont on dit parfois des choses pas justes du tout, et qui, vous l'avez vu, se sont mobilisés, ont écouté, ont appris, échangent avec une simplicité et avec une profondeur d'esprit également tout à fait exemplaire. J'ai assisté à certaines de leurs séances de travail. Ils travaillent au ministère de l'enseignement supérieur, c'est un philosophe. Il dit, sans la chaleur humaine de la fraternité, alors la liberté, l'égalité, la laïcité, la citoyenneté, etc. resteront à jamais des valeurs froides. Et nous continuerons d'errer à demi congelés de solitude sur l'immense banquise de la vie sociale. Je ne sais pas si ça vous parle, mais je trouve ça très beau. Et il a fait 10 propositions qui sont méconnues, donc je me permets de vous le dire. J'ai pas d'action avec Yann Delour. Je l'ai rencontré il y a un an, on a eu un très beau dialogue à Paris, parce qu'on partage dans son début des valeurs spirituelles et humanistes communes. Il propose qu'en France, on crée un ministère de la fraternité. Pas pour faire bien, mais pour faire des choses. Deux, il propose de se mobiliser pour casser enfin la logique des ghettos. Et les ghettos ajoutent déjà que c'est un texte souvent. 3. Organiser des états généraux de la pensée de l'islam. 4. Centrer la morale à l'école sur la culture de la fraternité. 5. Apprendre aux élèves à débattre sur les valeurs. C'est mon travail de débattre. Qu'est-ce que c'est que le débat ? 6. Instituer un service civique obligatoire. Ça avance, ça, c'est 2014, c'est différent. 7. Changer la culture du monde du travail pour autre chose. 8. Retrouver l'esprit des mouvements d'éducation populaire d'autrefois. 9. Relancer le débat sur l'idée du citoyen minimal. Et 10. Créer des espaces de fraternité dans les quartiers de communes. Et il propose, c'était que de même qu'il y a la fête de la musique, on ait une fête de la fraternité en France. Et pourquoi pas en faire une en bois sans attendre le national. Merci beaucoup.